Shalom. Aujourd'hui encore, on va ensemble partager sur les textes que l'Église nous donne de lire et de méditer aujourd'hui. Bien entendu, on va encore parler de miséricorde, mais sous un autre angle. Pas de miséricorde en tant que, je sais pas comment dire ça, pas de la même manière dont on a eu à en parler jusque-là. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que je peux appeler le prétexte de la miséricorde. Ce que j'entends par prétexte, c'est quoi? Saint Paul nous dit dans la première lecture, enfin il nous rappelle, que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Ce qui signifie que nous ne sommes plus condamnés par la justice de la loi, mais nous sommes sauvés, nous sommes rachetés par la grâce. Donc nous sommes fils de la grâce. Mais il précise, ce n'est pas parce que je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce, que je vais me livrer au péché, que je vais prendre mon corps pour en faire un instrument de péché sous prétexte que le Seigneur est miséricordieux et qu'il me fera grâce. C'est un aspect que Saint Paul développe et qui mérite vraiment un approfondissement de la part de chacun de nous. On sait Dieu miséricordieux, on sait que Dieu pardonne, mais il ne faudrait pas que le fait de savoir que notre Dieu est miséricordieux nous entraîne à aller au péché, à nous dire je pourrais demander pardon, je pourrais revenir à lui, parce que c'est pas aussi simple que ça entre guillemets, parce qu'il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et qui nous donne la force de revenir vers le Seigneur. Mais si ton péché te conduit à t'éloigner de ce Saint-Esprit là qui lui t'aurait aidé à revenir vers le Seigneur, tu es en train de prendre une voie qui va te conduire très certainement à la mort. À ce moment là tu vas devenir esclave de ton péché. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la force d'en sortir. Il y a des personnes qu'on peut rencontrer qui sont dans une situation que nous-mêmes on a connue et dont on a pu sortir plus ou moins facilement. Mais bizarrement, ces personnes-là n'arrivent pas à en sortir. Ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, la cigarette. Mais ces personnes-là sont encore dedans. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu à se dire, de toute façon, je peux encore arrêter, ça dépend encore de moi. Et c'est là l'erreur qu'on fait. Et c'est de ça que Saint Paul parle d'esclavage du péché. Parce que malgré toi, tu es dans une situation et tu ne peux pas en sortir. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Et le but de la grâce est justement de te permettre de sortir de cela. De sorte que le péché n'est plus d'emprise sur toi. Parce que quand tu es emprise du péché, c'est le péché qui te domine, c'est le péché qui te conduit. Ça, c'est la drogue qui te conduit, c'est l'alcool qui te conduit. Tu peux être lucide, te dire « je ne veux plus, je ne veux plus ». Tu peux être lucide, dire « aujourd'hui, je ne veux plus avoir de rapport avec mon copain ou bien avec ma chérie et tout ». Et dans une situation, tu te rends compte que tu succombes et tu as l'impression de ne même plus te contrôler. Pourquoi? Parce que tu es esclave de quelque chose. Et c'est de cela que le Seigneur veut nous libérer en fait. Et c'est de ça que Saint Paul parle. Et dans l'Évangile, le Seigneur nous rappelle justement, dans la même lignée que la première lecture, que on ne sait ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de te dire « je connais mon péché, j'ai la possibilité d'en sortir quand je veux ». Peut-être que tu en as la possibilité, peut-être que ça dépend de toi, mais le problème c'est que tu ne sais pas quand est-ce que le maître va revenir et te réclamer ta vie. Si on savait quel allait être le jour de notre mort, on pouvait se permettre de dire « bon, moi je vais vivre comme ça jusqu'à, disons, à telle période, et puis après je commence à ranger ma vie, etc. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. C'est ce que le Seigneur veut dire. Et beaucoup d'entre nous se disent, mon maître tarde à venir. Et il se met à frapper les serviteurs, les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Ça arrive. Ne voyons pas les choses au premier degré, c'est-à-dire ne voyons pas la personne en train de frapper les gens, mais en train de boire et tout. Mais voyons plutôt une personne comme vous et moi, qui peut-être se dit, bon, on parle de fornication, on parle d'adultère, on parle de ce genre de choses. Bon, je peux faire un peu et puis après je rentre dans le truc. De toute façon, j'ai encore le temps de me convertir. Surtout que beaucoup d'entre nous prêchent sur la miséricorde. Et on ne sait pas le jour ou l'heure. Raison pour laquelle il faut chaque jour vivre comme si c'était le dernier. C'est pour ça que Corneille a chanté, alors on vit chaque jour comme si c'était le dernier en fait. Et c'est ça, quand tu viens de loin, quand tu sais d'où le Seigneur t'a tiré,
quand tu sais de quelle grâce tu as bénéficié, il y a des jeux auxquels tu ne peux plus te permettre de jouer. Tu ne peux plus te permettre de dire, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps de servir Dieu, j'ai encore le temps de me ranger et tout. Magic System a dit, rien n'est à si la vie se prolonge. Aujourd'hui, là, je suis en mode citation d'artiste. Ils ont dit, rien n'est à si la vie se prolonge. Et la partie qui m'intéresse, c'est le si la vie se prolonge. C'est sûr que si tu as beaucoup de temps, il n'est jamais trop tard. Mais si aujourd'hui est le dernier jour de ta vie, si c'est aujourd'hui que le Seigneur vient te juger, tu lui réponds quoi? Seigneur, j'avais prévu de me ranger dans 2 mois, ou bien même demain, ou dans 3 ans. Mais malheureusement, tu m'appelles aujourd'hui. Et quel sera ton jugement? Où est-ce que tu vas partir? Et c'est la question fondamentale. Si aujourd'hui, là, maintenant, le maître y revient, dans quel état est-ce qu'il me trouve? Moi, son serviteur, qu'il a établi sur sa maison. Est-ce qu'il me trouve en bonne santé, en train de faire le travail qu'il m'a demandé de faire en partant? Ou bien est-ce qu'il me trouve en train de frapper les serviteurs et les servantes? Est-ce qu'il me trouve en train de vivre dans la débauche? Et c'est la réflexion que je veux emmener chacun d'entre nous à avoir aujourd'hui. Que chacun se demande quel est l'état de ma vie. Si le Seigneur venait me réclamer ma vie aujourd'hui, dans quel état est-ce qu'il la trouverait? S'il venait frapper à ma porte aujourd'hui, dans quel état est-ce qu'il trouverait ma vie? Et ensemble, on va demander au Saint-Esprit de Dieu, puisque c'est lui qui nous convainc de péché, qui nous montre notre péché, qui nous éclaire sur notre péché, qui nous ouvre les yeux et qui nous éclaire sur ce que nous avons pu faire, ou même les situations de péché dans lesquelles nous sommes et que nous ne voyons pas, afin que nous puissions revenir sincèrement à Jésus, qui lui seul peut nous permettre de sortir de toutes les luttes, de tous les problèmes qu'on peut avoir et dont on n'arrive pas à sortir. Shalom.